Wesh, viens ou quoi? Je me taille, wesh. J'ai demandé à ma mère de me préparer mon plat préféré, je suis toute excitée. Par contre, genre, j'ai 12 heures de vol. Du coup, je vous montre mon petit OOTD 12 heures de vol. Déjà, il faut absolument un coca pour tenir le coup. Il n'y a pas de café. Je vous présente Faina. Non mais ça m'ira. Donc j'ai mis un tenue rouge, un jogging, des sandales, un petit pull parce que il caille on the plane. Et voilà quoi. Meuf, tu filmes vraiment comme des journalistes. T'es moche. Mourir pour ce plat, ma gueule, c'est mon plat préféré. C'est du Felicima Fana. J'en ai rêvé. C'est du riz et des plantes. Mais des plantes comestibles. Les meilleures plantes comestibles au monde. Y a pas de ralentir, on va sortir. Profitez, roi, je suis en vacances. C'est une robe ASOS. Là, je vais en Grande-Terre. Mère, elle m'envoie je ne sais où. Faut savoir qu'à Mayotte, Mayotte est composée genre de deux îles. La Petite Terre, donc là on est en ce moment, et la Grande-Terre. Et pour rejoindre la Grande-Terre, on est obligé de traverser par un bateau. Genre, c'est notre transport en commun. Donc là, je cherche un taxi parce que je suis pas du tout véhiculée ici. Donc oh. After the last romance, but I wouldn't give it a second chance. They say if you seek, you're sure to find, and I know how true that is. Quelle vidéo? Ok, là vous devez sûrement vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu transpires Faina? Pourquoi t'es dans une forêt? Qu'est-ce qui se passe? Comme je viens d'arriver, genre ça fait même pas 2 jours, je passe le plus de temps avec ma famille. Et donc là ma mère elle en profite pour me montrer quelques endroits dont, pas une forêt mais c'est un champ. Et là on vient cueillir des bananes à la source. C'est bien, chacun sa manière de passer du temps avec sa famille, chacun ses traditions, y a pas de souci. Le problème étant que vu que moi je suis... Vu comment je suis habillée, comment je suis coiffée, fond de teint, maquillage et tout, je suis pas dans les bonnes conditions pour cueillir des bananes. C'est trop drôle. Je veux absolument pas me tâcher parce que là, du coup, je vais voir des potes juste après. Absolument pas. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on à Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Putain, c'est beau ça. Ah, c'est froid. Je suis en train de passer une journée de zinzin. Je me retrouve à cueillir des bananes, à conduire, alors que j'étais pas censé conduire la voiture de ma mère. Ça va faire plus de 3 ans que j'ai mon permis et je conduis très très rarement, à part quand je suis à Mayotte, parce que bah du coup à Paris ça sert à rien, je me déplace tout en transport en commun. Et encore là, ça fait genre plus de 2 ans que je suis pas rentrée, donc ça fait plus de 2 ans que j'ai pas conduit. Mais ça va, c'est conduire, c'est comme quand tu fais du vélo, genre ça ne s'oublie pas. C'est pas du coca ça? J'ai demandé du coca. Je vais demander hein. Quand vous avez un coca, vous êtes coca, vous êtes coca, vous êtes coca, vous êtes coca.
C'est un dérivé de Coca, mais de chez Carrefour. Une Carrefour, mais. Une marque Carrefour. Ah ah. Fabiola? T'as bronzé! J'ai goûté le cola là que j'ai acheté tout à l'heure, que ma mère m'a acheté. J'ai acheté un faux cola, un faux coca. Putain là. On dirait un vrai? Non, c'est un faux coca! Non, la vérité, il n'y a pas une grosse différence. C'est quoi? Je te jure. On alors. Dirait du Pepsi, hein. Non, oui, c'est du Coca. Pepsi, frère. What am I saying? It's so different around here without you, babe. You know I can't sleep, all I do is think about you, babe. Je suis toute contente parce que je me dirige à la plage, les gars. À la plage, genre. Je vais bronzer, prendre des photos, passer du temps avec moi-même, me balader sur toute l'île, écouter de la bonne musique, écouter le nouvel album de Beyoncé. Cette vie-là ou rien, les gars. Ça fait du bien de rentrer chez soi, de se ressourcer. Je suis trop contente d'être rentrée parce que je me suis rendu compte en étant en Paris qu'il y a ces petites choses du quotidien. Je n'ai pas assez profité à mon camp, par exemple, voir mes amis, revoir ma famille, manger des plats, les plats de ma mère. Tu vois, les petits trucs comme ça, là, dont on néglige au quotidien. Et là, je me rends compte, putain, mais ça m'a tellement manqué. Ça me fait du bien. Mais bon. Après, vous connaissez votre go, si vous ne me connaissez pas. Je suis quelqu'un de très isolé. Et là, on va dire que ça fait 2-3 jours que je passe énormément du temps avec ma famille. Je passe énormément du temps avec du monde, tu vois. J'ai été très, très entourée. Mais vous me connaissez, les gars. Vous me connaissez. J'aime bien un peu me retrouver seule. J'aime bien un peu ma solitude pour prendre l'air. Et en même temps, je suis en vacances. J'ai envie de prendre du temps pour moi, passer du temps avec moi-même et faire des choses qui me plaisent. Des trucs un peu plus créatifs. Passer du temps avec vous. Donc là, j'ai décidé de prendre la voiture de ma mère seule et d'aller en grande terre. J'ai trop hâte, j'ai hâte. Ok, on met quoi comme musique là? J'ai préparé une playlist là, ma gueule, t'as peur. Non mais ça y est, là je suis refaite. Un truc que je kiffe quand je conduis, c'est les embouteillages. Je sais pas pourquoi les gens ils détestent ces embouteillages. Genre, les embouteillages, c'est le moment qui te permet, genre, de te poser, de te reposer, de prendre du temps, de respirer. Une petite méditation. Je rigole, mais j'aime trop. Genre, t'as le temps de faire des trucs que tu peux pas faire. Faut pas toucher à son téléphone au volant. D'écouter de la musique, de changer la musique, de respirer, de prendre du temps. Enfin, je sais pas, j'aime trop les embouteillages. Et ici, les embouteillages, on est servi. Alors là. Good damn girl, go ahead. She made a vibe, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fast girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. En fait, je retire ce que je dis. J'aime pas les embouteillages. En fait, les embouteillages, ça peut durer genre, vas-y, 5 minutes, 10 minutes. Mais ma gueule, ça fait 30 minutes. S'il te plaît. Je suis fatiguée, ma gueule. Love you. I still dream.
about you and me. Contexte. Donc j'étais tranquillement en train d'aller à la plage comme convenu quand soudain je croise qui? Naïs. C'est un pote à moi que je connais depuis longtemps. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Châtelet. À Paris. Il y a 2 ans. Châtelet, exactement. Ouais. Et le mec, je le croise où? À Mayotte, s'il te plaît. À la barge. À la barge. Il y a la dernière fois que je l'ai vu, c'était à 2 ans. Et voilà, du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ensemble. Là, on va à la plage. Une soirée très mouvementée d'ailleurs. Je te jure, j'adore les imprévus. Donc voilà, on se retrouve, on va à la plage. Et monsieur est accompagné de son. Il boit du douf, come from Mayotte. T'as un problème, copte-moi. Et là, on est tous les trois là. On va à la plage. Allez, c'est ça les vacances. Des imprévus en fait. Ah mon gars, on passe tranquille. Mais il a l'impression. Mais ce mec. Ah gars. Il connaît tout le monde, tu le connais? Il est un peu. Il connaît personne. Il connaît personne. Le mec, il connaît personne, il salue tout le monde. C'est grave. Je te jure. So much rain. Tomorrow's hard to see. Our days have so many clouds. It's really such a shame. Love you. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Avant d'aller à la plage ou un truc comme ça, on s'arrête toujours sur le chemin pour acheter genre... Il casse les couilles. Salutations pour toutes les amis, les internautes, le forceur de base, il est là. Des bonnes qualités. Ouais. On s'arrête toujours sur le chemin pour prendre des grillades, des trucs comme ça, genre pour la plage. You never got this way. This way. Let's get back to where the sun is. Let's get back to where the sun is. Hey, gratuit. Il y a juste ça. Ah, bon, ah ouais? On en a un gratuit. Je suis en train de sortir le KFC. Le KFC, c'est... Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du café. Donc j'ai acheté ça, là, je vais goûter. On va goûter ensemble. Il faudra juste qu'on se serre un petit peu. Hé, hey, avec ton café, là. Et... Mais comment? Incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer là, le putain de coucher de soleil qu'on a là. Désolé de te casser, mais le soleil se couche pas. Pas encore. Voilà, on a quoi? Et franchement, j'arrive pas à expliquer dans quelle situation nous sommes retrouvés. Donc, j'ai laissé Naïs nous expliquer dans quelle merde nous sommes. Et du coup, on est parti à la plage et en rentrant, on s'est retrouvé coincé dans les embouteillages. Du coup, depuis 19h, on est là et là, il est actuellement 22h11. Nous sommes toujours là. Là, on va rentrer, on va dormir, c'est tout en fait. On va se prendre 2-3 pizzas. Ça va prendre 2-3 pizzas, ça va dormir sur le canapé. Ça va dormir sur le canapé, genre il y aura même pas la force de traîner le cadavre jusqu'au lit, tu vois. Je te jure. Oh mon dieu. Donc on va se manger une petite pizza. Oh non.
Putain, même la lumière, elle est fatiguée. Attendez. C'est bon. C'est bon, ils ont rallumé. Ok, donc on va se prendre une petite pizza et on se dit à la semaine prochaine, les gars, on est KO. Bisous, bye.